Yo les gars, c'est Jérém Jim, et oui, c'est encore moi, encore une fois aujourd'hui. Alors, il y a une petite voix qui m'a soufflé à l'oreille le pourquoi du comment par rapport à leur score de malade qu'il y a dans les classements. Je vous avais dit, je ne comprends pas comment ils peuvent faire des scores pareils. Là, il y a x933, GG, mais oh, alors par contre, au bout du try, 97 ou 93, je sais plus, il n'y a plus de récompenses supplémentaires. En tout cas, Méo, t'as pas mal de temps libre, à ce que je vois, c'est bon, tant mieux pour toi, c'est peut-être les vacances comme moi aussi, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait bronzette, et là je fais péter le Marcel, parce que là c'est chaud, et il fait chaud aussi, donc on va voir, j'ai normalement la bonne technique. Alors par contre, on m'a dit qu'il ne fallait pas en parler, bon j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement secrète, vu qu'il y a des gens qui ne font pas partie de mon équipe, qui font des scores de ouf, alors on va voir. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que moi, j'ai déjà fait un try aujourd'hui et j'espère qu'en achetant une entrée supplémentaire, ça va me permettre de débloquer le reste. Voilà. Bon, là du coup, il est déjà entamé et on va voir ce que ça peut faire avec le reste. Allez, on part sur tout ça et on voit ce que ça donne. Bon là, il y a le duc qui est avec et qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Voilà, pour l'instant, on met pas beaucoup de dégâts. Mais il reste encore beaucoup de temps. Hein, et si les dégâts commencent à fuser de ouf, mes héros tiennent largement le coup. Et on verra. Vitesse x4. Et on espère que, bah, que ce soit suffisant. Là, ça a l'air de faire pas mal de dégâts. Ah ouais, moi bon, il m'a fallu 3 minutes pour envoyer qu'une toute petite partie. Et là, pas mal. Bon, ok. Bon, pour ces récompenses-là, ça vaut peut-être pas le coup de se déchirer, mais faut voir. Ah, du coup, bonus d'attaque. Qu'est-ce que j'ai? Augmente l'attaque de tous les héros. Bon, normalement, j'en ai pas besoin. Bon, du coup, j'ai le droit de refaire une entrée gratuite. Oui, j'ai le droit de refaire une entrée gratuite. Alors du coup, est-ce qu'on va encore une fois y arriver en moins de 3 minutes? Sa vie a l'air de largement se débloquer rapidement. Et ça fait plaisir ça. Non mais... T'es sérieux? Ça fait vraiment les gardiens à l'infini quoi. Mais si je peux avoir les récompenses pour mettre mes gardiens jusqu'au niveau maximum, c'est cool. Hein, vous voyez qu'on peut aller jusqu'au niveau 10 dans les compétences des gardiens. Si ça me permet d'aller au plus vite, bah c'est parfait. Bon là je reçois des petits messages en même temps sur la façon de faire. Ok. D'accord. Ça passe largement. 320 fragments de commandant. Ben c'est parfait. Déjà là je pense que je... Non, il me faut encore 400 je crois avant de passer mon niveau 9, il me semble. Bon, ben j'ai encore le droit à des entrées supplémentaires a priori, d'accord. Bon, ça c'est bon. Allez, on verra si, si ça se passe de la même façon. Alors, on m'a donné un ordre à envoyer. Alors, malheureusement, je n'ai pas bien suivi les instructions. Mais est-ce que ça va être nécessaire ou pas? Là, j'ai l'impression d'avoir réussi la moitié en moins de temps qu'il n'en faut. D'accord, cool. Et ça fait vraiment plaisir. Alors je sais pas si ça va être... Bon à mon avis ils vont finir par être... ça va finir par être réglé aussi ça je pense dans les bugs. Sinon c'est trop facile. On va tous pouvoir maxer. Bon par contre je suis vraiment désolé. On m'a vraiment interdit de dévoiler les détails de la composition. Mais les Rosalines. Pas trop, ok. Ici hop. Hop, on m'a plutôt conseillé de faire comme ça. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Mais en tout cas, j'ai gagné plusieurs jours. Jusqu'à maintenant, il me fallait 2 jours pour en tuer le niveau 40 ou 50. Et après, je crois que j'ai déjà réussi à tuer le niveau 60. Mais j'ai dû mettre des gemmes et j'ai dû mettre d'autres choses. Enfin, j'ai dû mettre des gemmes en plus. J'étais pas hyper loin de la composition. Mais là, c'est trop bien. Non mais là c'est quand même trop bien. Alors, bon voilà, c'est vraiment top. Hop. Allez, encore un niveau de réussite. En fait, ce qui fait que l'autre a réussi du 500 et pas nous. Waouh, 410 sur ce gardien là.
Oui, on va pouvoir maxer tout ça. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, bah, au moins, vous avez une partie de la composition qu'il faut. Après, à vous de trouver. Bah, je suis désolé, bah, là, je sais pas moi qui l'ai cherché, qui l'ai trouvé. On me l'a juste servi sur un plateau. Et en tout cas, bah, un gros merci à toi. Un gros merci à toi, franchement, c'est dingue. C'est dingue, je vais pouvoir monter mes gardiens tranquillement. Et j'espère qu'au fur et à mesure, Oula, le gardien, ça va être un peu limite. J'ai foiré mon départ. Je sais pas si vous avez vu Anubis, c'est mort au début. Je pense pas... Non, ça va, on est toujours large. Les gardiens n'ont pas l'air plus durs au fur et à mesure. Bon, là, il reste quand même que 10 secondes une fois que c'est achevé. C'était quand même limite. Bon, par contre, les récompenses arrivent à ces niveaux-là, elles sont nazes. Hein. À part quand t'as des cristaux de commandant, sinon c'est assez naze. 90. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ok, et ben, si on met duc en premier, est-ce que ça fait pire? Parce qu'au début, j'ai commencé avec le duc en premier. On m'a dit de pas faire comme ça, mais finalement, ça a l'air de tenir le coup. C'est vrai qu'Anubis, il permet de réduire largement l'attaque du démon. Enfin, du gardien saint. Non, c'est le prophète, celui-là, du gardien prophète. Donc, ce serait l'idéal. Je check en même temps ça. Ok. Bah, ça passe bien. Duc en premier. En tout cas, bonne chance à vous si jamais vous les trouvez. On va dire qu'au moins, vous avez une partie de la solution. Mais là, pour les récompenses, ça fait des pierres de gardien à l'infini. C'est vraiment, vraiment trop bien. Bah, j'ai réussi. Ah ouais, on leur gagne déjà plus rien. Ah ouais, le niveau 90, une fois que tu l'as réussi, ah, c'est ce qu'il me disait. Mais moi, je pensais que c'était une fois que tu avais fait x90 que tu gagnais plus rien. Non, tu gagnes plus rien en un rien de temps. Bon, à la rigueur, il serait peut-être pas obligé de corriger ce problème. Bah après, c'est un problème. Oui, non, finalement, ça donne pas des ressources à l'infini. Ah ouais, ouais. Il m'avait dit qu'on pouvait pas aller au-dessus du niveau 90, mais moi je pensais que c'était x90. Alors pourquoi le mec, il s'acharne à faire du x500 si on ne gagne plus rien déjà au bout de x10, x9. Ben, je ne sais pas. Mais il a peut-être beaucoup de temps libre, hein. C'est peut-être les congés pour lui, mais là... Ok, bon ben... Moi ça me va, gros merci. En tout cas pour cette technique, vous voyez qu'on ne gagne plus rien après au bout d'un moment. Donc finalement c'est un peu moins cheaté. Bah, mon classement va largement augmenter. J'ai fait x12, donc ouais, une fois que tu as fait x10, tu gagnes plus rien de plus. Bon, les récompenses de classement, je sais pas s'il se bat pour ça, mais elles sont plutôt nazes. Le seul bon truc, c'est quand même les cristaux pour les gardiens. Là, grille d'étoiles, bon là, tu vois, malheureusement, il me manque plus qu'un et ça n'a pas été suffisant. Et ici, bon, ben, ça m'aide à entretenir le niveau ici, il me manque plus que 3. Voilà. Bon, c'est déjà ça de prix. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a trouvé la technique, enfin, on m'a trouvé la technique des grands cinglés qui font des x900, mais mec... Je crois qu'il veut juste faire parler de lui. T'imagines le temps qu'il a dû passer pour faire ça, c'est dingue. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite. Tchuss!